Et bien après un bivouac en pleine nature où ce matin le temps est très mitigé, Francis et Gina se préparent à partir avec Wilson et Plume évidemment. Regardez ce bivouac très sympa en pleine nature, au calme. On n'était pas bien là? Alors bonjour à tous, je ne sais pas ce qu'il y aura comme vidéo aujourd'hui, mais le jour de repos approche. Voilà, on s'est prévu un jour de repos, ouais. Mais il y a encore quelques kilomètres à faire, direction Wissembourg. Thank you.
Ça, de toute évidence, c'est le cloître. Mais je ne dois pas pouvoir y descendre. Si, je peux y aller. J'espère. Allez, voyez. Vous vous rendez compte que ça a des millions d'années. Alors ici, c'est la fameuse chapelle romane. Je vais essayer d'y aller. Parce que ça, c'est quand même quelque chose. La chapelle romane datée du XIe siècle, peut-être chapelle abbatiale dédiée à Saint Willibord en 1072. Il reste des peintures murales. On va voir. Je vais essayer. Allez, j'ai que 3 marches, je devrais y arriver. Oh. Oh. Moi qui travaille sur l'histoire des Romains. C'est bizarre, les poteaux sont incurvés là. Vous voyez les poteaux là? Il va falloir que je recherche ça. Ils sont incurvés que d'un côté, les autres sont intacts. Regardez des vieilles pierres au sol. On peut prier.
Mais là, il faut remonter. C'est gentil, ils m'ont mis des lumières. Mais quand même. Petite chapelle extrêmement ancienne, bien préservée. Bon, oui, je vous ai déjà dit bonjour, mais vous m'avez pas vu ma binette. Donc j'ai dormi toute la matinée. Je pense que Francis et Gina ont dû arriver dans le coin, mais ils ont plein de choses à faire. Et eux aussi, ils ont besoin d'une journée de repos. Moi, j'ai un souci à Wissembourg, c'est que la station camping-car est hors service. Ce qui veut dire que j'essaie de visiter un petit peu Wissembourg, mais je vais très certainement devoir... Alors, il y a deux parkings pour camping-car, deux emplacements camping-car, sans aucun service. Je vais essayer d'aller au second parce que je crois qu'il y a des jolies choses à voir. Allez, on se voit tout de suite. Bon, ben écoutez, j'ai dû effectivement quitter Wissembourg pour la bonne et simple raison que le deuxième parking était bondé. Et la seule chose qu'il y avait à voir, c'est les remparts que je ne pouvais pas trop faire, moi, en fauteuil. Donc j'espère que Gina et Francis iront y faire un tour pour vous les montrer. Je les ai prévenus que j'avais dû quitter Wissembourg parce que le parking où j'étais, la station où j'étais, ou qui ne fonctionnait pas. Mais parce qu'elle ne fonctionne pas, justement, les voitures en profitent et c'était des allées-venues sans cesse. Quand vous êtes fatigué, c'est carrément pas possible. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai repris la route et moi j'ai commencé la traversée du parc régional des Vosges. Donc sachez que là, Francis et Gina, ils ont de quoi grimper, descendre, parce qu'on tire à l'ouest, là, maintenant, et on traverse ce parc qui est bien sûr montagnard et vallonné, et voilà. Mais je pense qu'ils vont se régaler. Donc moi, j'ai réussi à trouver, pas trop loin, un camping pas trop cher. Mais bon, camping pas trop cher ou pas, c'est pas grave, je suis branchée, je suis au calme, comme vous pouvez le voir, avec une belle nature. Il n'y a pas trop de monde, on est assez espacés les uns des autres. Voilà, pour l'instant, il fait pas très beau, mais je m'en fous parce que je vais me reposer. Y aura-t-il une vidéo pour demain? C'est pas sûr. Si vous n'avez pas de vidéo, c'est que je suis en train de faire le tournage de ce qu'il y a ici. Je suis au bord du lac de... Je vais vous l'écrire, hein, ce sera mieux. Et il y a l'air d'avoir des choses assez agréables à regarder. Et pour le repos, ça a l'air pas mal du tout. Donc, ben, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et on n'oublie pas les enfants surtout. Allez, bisous. Ciao.